Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du temps ordinaire. L'Église est rajeunie par la présence de Léoline. C'est très bien, bienvenue. Merci d'être là. Préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, Seigneur, toi qui es notre Père, tu fais
ton esprit selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions le fruit en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de monde le pays de Zabulon et le pays de Néphtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. C'est la parole du Seigneur. Sur ce
ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort et de lumière se levait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute fécondité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Je vais essayer de m'adresser particulièrement à la plus jeune, parce que si elle est grande, alors je réussis à faire passer un message, c'est aller m'adapter, ça sera simple pour tout le monde. Noéline, aujourd'hui, avec les textes que nous avons entendus, nous pouvons présenter, faire trois tableaux. Trois tableaux. Le premier tableau, on pourrait considérer le déplacement de Jésus. Il quitte Nazareth, il va à Capharnaüm, en Galilée. Et à Capharnaüm, c'est la Capharnaüm est située autour du lac de Galilée, le lac Tibériade. Donc Jésus se déplace. Le premier tableau, c'est ce déplacement. Mais où va-t-il? Jésus, aujourd'hui, commence de manière officielle, on pourrait dire, sa mission comme fils de Dieu. Il va commencer à aller annoncer la bonne nouvelle. Mais Jésus ne va pas à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait les temples. Là-bas, il y a les pharisiens, il y avait les maîtres, ceux qui connaissaient la loi, toute la parole de Dieu. Ceux qui lisaient les Écritures, la Bible, la Torah, la parole de Dieu. Ils étaient à Jérusalem. Là, tout le monde, chaque année, tous les Juifs devaient s'y rendre, aller à Jérusalem pour les pèlerinages. Donc c'est l'endroit, on pourrait dire, le plus religieux de la Palestine. Jésus ne va pas là. Jésus va à Capharnaüm. Et en français, quand on dit que c'est un Capharnaüm, vous savez ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est... Donc il va dans un endroit où il y a plein de monde, beaucoup d'étrangers. Et autour du lac, il y a le commerce, il y a des commerçants qui viennent d'autres pays. Et c'est un lieu, on dirait aujourd'hui, multiculturel, un lieu de brassage et un lieu de passage. Mais ce n'est pas des... Aujourd'hui, on dirait pas des lieux des catholiques. Si je pourrais parler en langage d'aujourd'hui, il ne va pas là-bas. Il ne va pas à Jérusalem où il y avait, aujourd'hui on dirait les catholiques. Il va là où il y a, Capharnaüm, il y a de tout. Et c'est là que Jésus commence à parler de Dieu. Ça, c'est significatif. Ça veut dire que finalement, tout le monde, tous les peuples, tous nous sommes appelés quelque part à écouter, en tout cas à recevoir l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu nous regarde sans faire de distinction, sans dire voilà, je vais là parce que c'est bien, là je serai reçu, là c'est des gens méchants. Non. Pour Dieu, ça ne regarde pas. D'ailleurs, Dieu va là où c'est très compliqué. Et là, il ne fait pas des grands discours. Là, il ne fait pas des jugements. Il annonce simplement le royaume de Dieu
est proche. On dirait mieux, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc Dieu est avec vous. Ça, c'est le premier tableau. Et là, on voit que finalement, Dieu aime chacun et chacune de nous, sans distinction, et tel que nous sommes. Le deuxième tableau, donc, premier tableau, déplacement, Nazareth, Capharnaüm, dernier. Le deuxième tableau, c'est l'appel des disciples. Les larges, la mer, Jésus se promène le long du lac de Galilée. Il y a de très bons poissons par là, c'est très bien. J'ai fait un pèlerinage en 2016, c'est magnifique. Le lac, c'est... Et là, il appelle les premiers disciples. Ceux qui vont devenir. On a cité les noms de Pierre, Jacques, Jean, des gens ordinaires. C'était des pêcheurs qui vivaient autour du lac. Il y avait beaucoup de poissons jusqu'à aujourd'hui encore. Des gens simples, en train de pêcher dans leur vie quotidienne. Là, Jésus dit, vous venez à ma suite. Ça, c'est très important. Venez à ma suite. Et on dit aussitôt, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, je dis, écoute, Noéline, tu deviens bonne sœur, tu te lèves aussitôt, tu quittes ta mère, tu es parti à Namur, quoi, champion, il faut trouver une bonne congrégation. Donc c'est quand même un peu compliqué quand même. Et ils laissent tout, ils suivent Jésus. Des gens simples, des gens ordinaires, qui n'ont pas fait des études de théologie. Et alors, les déplacements, il y a aussi un déplacement. Il dit, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Donc, vous allez, votre mission, désormais, c'est là, d'aller mettre, dire aux autres que voilà, Dieu nous aime tous. C'est là, leur pêche ne sera plus des poissons, mais ça sera de dire, venez tous, Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu c'est le Père pour nous tous. Et voilà, venez à nous. Ça devient cette pêche-là. Cette pêche-là, aujourd'hui, est confiée en principe à tout baptisé. Toi et moi et nous tous ici. Nous sommes désormais des pêcheurs d'hommes et de femmes pour les attirer vers Dieu. Ou en tout cas, leur dire, écoutez, que vous veniez à la messe ou pas, sachez que Dieu vous aime. Ça va? Troisième tableau, je vais m'arrêter là, on ne va pas faire trop de tableaux sinon ça devient compliqué. Le troisième tableau, c'est Jésus a quitté, donc Jésus maintenant il a appelé ses disciples, et le troisième tableau c'est on cite d'autres territoires, donc la Syrie, Décapole, etc. Ça sera la suite de l'évangile de Matthieu, donc des territoires païens. Là aussi Jésus sillonne dans ces frontières-là. Et on peut faire le lien avec le premier tableau, donc la Syrie, les Capons, le pays des Abulons, etc. Et là, Jésus alors ouvre complètement le royaume des cieux à toute l'humanité. Si avant, dans le premier tableau, il travaillait dans son pays, le troisième tableau est ouvert au monde entier. Noélie, ça c'est Dieu-là, est pertinent, et c'est Dieu, mais pas moi personnellement. Un Dieu qui ouvre large ses bras à toute l'humanité, qui nous accueille tous, nous interpelle. Il dit quelque part, tous les hommes finalement sont frères et sœurs, en humanité d'abord. Et quand tu regardes comment les guerres aujourd'hui, comment on s'étape les uns sur les autres, comment on s'embrime aujourd'hui, nous oublions simplement que finalement la bonne nouvelle est annoncée à tout le monde que tous nous sommes frères et sœurs. Voilà aujourd'hui ce que je veux mettre en du premier jour officiel, je dirais même de la rentrée, en tout cas, où Jésus commence sa mission et nous donne un message tellement beau, tellement inouï, tellement profond. C'est à chacun de nous de recevoir ce message, de pouvoir dire oui, je l'écoute, je vais le suivre. Le message est intéressant, le chemin peut être parfois compliqué, le jour où on se lève, on est bien. On s'ennuie un peu, et puis on décroche, et puis finalement on revient. Ce qui est important, c'est de toujours revenir. Pas revenir ici à la messe, nécessairement. Revenir, ça veut dire de revenir sur le. Dire oui, non, dans cette Dieu-là, oui, je crois. Parfois j'ai des doutes, parfois c'est compliqué.
Mais je peux lui faire confiance. Demandons au Seigneur de nous donner la force et la grâce de lui faire confiance. Et disons-lui merci pour cet amour immense. Cet amour immense qui nous témoigne, qui témoigne à chacun et à chacun d'eux, à nous qui sommes ici et à ceux qui ne sont pas, ceux qui sont loin, ceux qui ont écouté ce message, ceux qui ne l'ont jamais écouté. Tout ce monde, Dieu est Père. Pour nous tous ici rassemblés.
parler, daigne nous exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission.
charité, avec le pape François, notre évêque, Pierre et tous ceux qui ont la charge de répondre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour Nadine, Gino et les jeunes gouverneurs, Alfred et Georges Cornet, Jean-Paul et les défunts de la famille Collard-Collier, et pour Armand Simon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, notre dame des affligés, notre dame des consolations, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Thank you.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Très bien, merci. Très bien. Bonne sélection des chants qui cadrent toujours avec les textes. C'est très bien. Merci Myriam, la décoration, magnifique. Violet, tu ne l'as pas rencontré. Quand tu vois l'église, tu as vu, il faut passer avant de repartir. Tu vois cette petite décoration, les sièges allumés, la lumière aussi du Christ qui brille, la lumière, la chaleur qui réchauffe aussi. C'est magnifique. Très bien. Peut-être que monsieur le président, mais voilà. Ça, c'est autre chose. Je vous ai remis tout à l'heure un petit papier. Deux personnes, je devrais être vite fait avec les